Bienvenue sur T'Éternel en ce samedi, justement, samedi. Tu vois, c'est pas parole de Cahuzac, mais non, c'est pas moi. Bon. Premier chapitre, premier texte, c'est pour Luc, mon 2% Saint-Luc de Feu Vert, Luc Bassibé. Je suis désolé pour la paplarde, tu m'as donné le scooter de ton fils, j'ai pas envoyé le papier. Et ça, c'est la misère administrative, tu vois. Pour une carte grise de merde, on s'engueule tous. Bon, ça n'empêche pas que tu étais capitaliste et que ça, j'aimais pas de ton côté. Mais par contre, on avait fait Madagascar, hein, puis tant que les flics qui viennent chez vous, pour Martine et tout, j'ai un peu honte quand même, tu vois. Par contre, que t'as pas voulu me payer un coup, ça m'a gonflé, mais c'est pas grave. Tu sais, après la crise de la quarantaine, tu fais les fichiers que tu resteras con toute ta vie, capitaliste, ou tu comprendras la vie sur Terre. Ça, tu fais comme tu veux. Il y avait 2% Saint-Luc, il y avait 2% Saint-Pierre. Bon. Mais quand même, Ève, elle est à 10% et Arnaud, il est à 20%. C'est la descendance, tu vois. Et Mathieu, je pense qu'il va déchirer grave quand il sera grand. Enfin, bref. Le premier sujet. Le deuxième sujet, parole de Cahuzac. Parole du pouvoir. L'héritage de Johnny. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme merde sur la télé, sur la terre, sur partout, putain. Vous faites de la merde parce que je suis en train de chier. Mais quand même, je rends mon rapport de combustion à la terre. Je sais pourquoi je suis vivant. Je connais ma position dans l'espace-temps. On a parlé de la thyroïde, machin. C'est très bien, un régime, tu vois. Troisième sujet. Bon, ce soir, il y a The Voice, je me tire. Alors ça, si c'est pas vendre son âme, je vais essayer de le mettre avant ce soir, comme ça. C'est pas pour Triso, pour débile manteau. Non, attends. Monocotylédon. C'est quoi là, le truc là? Prenez-moi pour un con. En plus, mercredi, c'était le 14. C'était la Saint-Valentin. C'était la deuxième mercredi multiple de 7. Le saut des 7. Yvan Panin. Il faut regarder ça. Après, on ne sait jamais si ça filme du bon côté. Hein? Chef d'état d'âme, c'est balèze. Le 28, ça fera 6 mois que je suis chef d'état d'âme. Depuis mes 48 ans, dans l'année que je vais passer à 49, 7 x 7. Le semier de l'esprit, bon, pour l'instant, vous n'avez rien compris. C'est normal. De toute façon, tout est fait en sorte que vous ne compreniez rien. Le mal est très fort sur Terre. D'autant plus qu'il a la télé, aux médias, il est partout. Finalement, Jean est dernier allié, comme ça, les puissances du mal sous Mitterrand. Il est pas mal le bouquin. Parce que même à la télé, justement, il te faisait croire que c'était un connard, celui-là. Mais ça n'a rien à voir avec BHL TV, hein. Bernard-Henri Lévy, de mes couilles. Non. Et dernier allié, c'est autre chose. JR. JER. On s'en fout. Bref, tout ça pour dire quoi ? Aujourd'hui, il pleuvait un petit peu. Pour une fois, la météo n'a pas menti. C'est normal, je n'ai pas combattu. Ça me prend trop d'énergie en ce moment. Mais c'est pas grave. Comme ça. Qui pourra leur dire ? Ben, c'est moi. Je fais crise de Nice, bordel. Je vais reprendre le diocèse en 18. Je reviens du comté. Quoi, la France, le machin, tout ça c'est de la merde, tout est bâti sur la barbarie des chefs, des oligarchies de mes couilles. Rien n'est vrai. Vous êtes dans un film et vous savez même pas que vous êtes acteur du film. Là c'est pas du cinéma là. Hein. Moi je te dis, tu vends pas ton âme. Hein. Oh.
Dans l'esprit, le temps et l'argent n'existent pas. Alors, ou c'est branché, ou c'est pas branché. Ou t'es un connard, un collabo, ou alors t'es résistant quand même. Je sais pas. Comment je vais. Comment que. Vous comprenez rien à ce que je vous dis. Alors, comment tu veux que je fais, que je fasse. Ils m'ont fait le camion à Coluche. Faut pas croire. 38 tonnes de face à 100 km/h dans la chautron. Même pas mal. Un gros bleu. Justement pour dire que, comme quoi, que l'alcool, ça rend élastique aussi. L'alcool, il peut tuer, mais il peut sauver. Qui est qui n'est pas content? Moi, j'aime bien. J'ai vu le psychologue, j'ai vu le docteur, j'ai vu tout. J'ai déjà fait la radio des poumons, mais bon, j'ai pas la carte de mutuelle, on s'en branle. Je peux pas aller chercher le résultat. J'ai rendez-vous mercredi prochain. Bon. Lundi, j'irai à la prise de sang. C'est-à-dire après-demain, vu qu'on est toujours le samedi. Le samedi. Dans le cheminier de l'esprit, oh là, vous allez rien comprendre encore. C'est pas grave. Mais je te le dis quand même. Tu connais Patrick Truel, le mec qui jamais porté un sac de ciment de sa vie. Ouais. Bon, voilà. Envoyé spatial. Bon. C'est pas que j'étais pas content après Luc. On a fait Madagascar ensemble. Il a eu la bienveillance de la valve. T'arrives à Madagascar avec un sac de valve, c'est bon, t'es adjoint au maire en 30 secondes. Tellement il n'y a rien. Tellement les États sont corrompus. Mais au Maroc, c'est pareil, hein, faut pas croire. Hein. Le roi de mes couilles, il va se faire enculer celui-là. Il a relâché un putain de pédophile en plus. Bon, si ça se trouve, c'était le beau-frère à Jacques Lang. Au revoir. Ah ouais? Tu viens me la raconter, là? Tu me la racontes pas, moi. Je connais ma position dans l'espace-temps à chaque seconde. J'ai mon disque mou, il travaille sec, il est en connexion. Le problème, c'est que c'est vous qui n'avez pas de connexion. Tu vois? Vous êtes connecté à de la merde, à de la pollution électromagnétique, à des jeux de merde, à des systèmes de merde. Vous êtes des collabos. Hein. C'est pour ça qu'il faut pardonner certains. Il y en a, ils font pas exprès. Ils ne savent pas à quel point la manipulation mentale, ça craint. Tu vois. Moi, je le sais. Alors, le commandement, c'était « tu ne tueras point ». Moi, le 11e, c'était « tu ne vendras pas d'armes à ton prochain ». Mais ça veut dire pareil. Parce qu'en fait, si tu veux, ça devient plus des tueurs en direct, ils font tuer par les autres. Tu vois l'enculerie ? Donc, oh bon, non, c'est pas bon. Hein. Les armes chimiques, oh non, c'est pas bon. Hein. Les bouts rouges, non, c'est pas moi, bon, d'accord, j'ai dit oui. Bon. Ça va couper le fillon. Je te signale que je suis né dans la mairie de Meaux le 28 juin 69, le jour de la fête à Henri IV, et que même mon acte d'extrait de naissance, il est faux sur Terre. Alors, le premier qui est pas content, je le prends à coup de boule. Tu vois ? Envoyé spatial pour t'éternel. Pas de chez Salut, Inchalamen, Iraim, Mazel Tov. Moi j'aime tous les peuples, je suis pour le pouvoir, par pour et avec les peuples. Mais ça a toujours été des lois de riches, voter par pour et avec les riches. C'est ça le problème. La dynastie des connards, à coup de boule maintenant. Bon, un coup de gousse d'ail et une cacahuète dans la gueule pour que tu la fermes, connard. Tu vois ?